dalles grandiront, elles deviendront des enfers qui perceront les trottoirs et s'étendront très haut jusqu'au ciel. Les immeubles pousseront jusqu'à éclipser le soleil et leurs habitants seront étouffés par la pollution qu'ils génèrent. Finalement, quand il ne restera plus de place, ce monde pourra étouffer, victime des erreurs des hommes qui serront le cercueil de cette civilisation. Mais il est possible d'éviter cette tragédie, Gotham. Il existe une meilleure solution. Derrière ce mur se cache la possibilité de survie de l'humanité. L'image d'un avenir basé sur partout. Une découverte qui permettra de ressusciter Gotham, tel Lazare, et qui fera d'elle un espoir pour le monde entier. La fabrique. Alors, approchez. Contemplez l'avenir de Gotham City. Ce monde est maudit. Les villes comme Gotham grandiront. Elles deviendront des enfers qui perceront les trottoirs et s'étendront très haut jusqu'au ciel. Les immeubles pousseront jusqu'à éclipser le soleil et leurs habitants seront étouffés par la pollution qu'ils génèrent. Le signal du mouchard continue après cette porte, mais on dirait que celle-ci est fermée depuis des années. L'assassin doit utiliser un autre chemin pour passer. Il doit s'agir des célèbres gardiens mécaniques de Wonder City. On dirait que leur mécanisme interne était sophistiqué. Il semble qu'ils utilisaient une sorte de bande mémoire, un ancêtre de la vidéo. Je pourrais peut-être l'analyser. Les données sont incomplètes. C'est bien plus sophistiqué que la technologie disponible à l'époque. On dirait que les données sont stockées dans un pool mémoire partagé. Je peux peut-être récupérer des informations sur les autres gardiens.
La bande de surveillance reconstituée m'indique le chemin emprunté par l'assassin. Elle a sûrement utilisé une entrée secrète. Il faut que je la trouve. On dirait qu'on peut placer une épée ici. Le protocole 10 prendra effet dans 4 heures. Le faire. Il faut que tu le fasses, Bruce. Bruce ? Bruce ? Bruce ? Vous m'entendez ? Rossing dit tout, il chute. On dirait qu'il s'effondre. Vous devez trouver ce que vous cherchez maintenant. Combien de temps il me reste ? Oh, Dieu merci. Je vais devoir être honnête. À ce rythme, je dirai quelques minutes. Sérieusement, Bruce, vous devez me dire ce que je devrais faire et ce que Robin devra faire. Vous savez si... Je vais m'en sortir. J'aurais dû écouter mes mises en garde. Tu n'as aucun ami pour te sauver ici. Stop. Bonjour, Talia. Comment tu nous as trouvés ? J'ai reconnu ta garde personnelle. Il ne me restait plus qu'à... la suivre, en fait. Pitié, maîtresse, il m'a berné. Allez, va-t'en. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Tu n'avais pas besoin de te faire arrêter juste pour me voir, Bruce, après la nuit qu'on a passée à Metropolis. Il te suffisait de m'appeler. Je ne suis pas là pour toi. Où est Raz ? S'il est encore mort, j'ai besoin que tu ailles le réveiller. Seul un vrai successeur a le droit de voir le grand Ra's al Ghul. Mon père a toujours souhaité nous voir réunis, toi et moi, pour commander son armée. Imagine un instant. Toi. Moi. Un monde meilleur. Ton visage. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis ici pour prendre ma place à tes côtés. Tu veux devenir un assassin ? Pourquoi devrais-je croire à ce revirement ? Tu as vu mon visage. Est-ce que j'ai l'air d'avoir le choix ? Es-tu prêt à passer les épreuves du démon ? Tu dois prouver que tu peux ôter la vie pour sauver le monde. Je suis prêt. Alors que les épreuves commencent. Des milliers de guerriers ont péri en tentant de trouver le démon.
Les successeurs potentiels n'étaient en fait que des enfants incapables d'affronter l'énormité de la création. J'ai vu pire. Rien ne peut te préparer à ce qui t'attend ensuite. Le destin décidera de ton sort. Je n'échouerai pas. J'ai entendu ces mots une centaine de fois. Espérons que tu aies raison. Ton voyage commence derrière cette porte. On peut commencer. Tu es sûr, Bruce ? Un seul homme a survécu à cette épreuve. Tu essaies de me convaincre de ne pas le faire ? Bien sûr que non, mais... Je veux que tu sois sûr. Quand le sang du démon s'emparera de toi, tu seras tout seul. Comme toujours. Puissent les esprits être cléments. Bienvenue, détective. Je me présente, je suis le grand Ra's al Ghul. Devant vous se trouve la première épreuve du démon. Il suffit de boire dans ce calice. Ça n'a rien de compliqué. Bien. Sentez le sang du démon se répandre dans vos veines, restaurer votre santé et altérer votre volonté. Votre prochaine tâche est simple. Suivez-moi dans ce monde et l'épreuve sera terminée. Si vous touchez quoi que ce soit en chemin, vous mourrez. Ces épreuves permettront de déterminer si vous êtes suffisamment fort pour diriger les troupes et pour sauver ce monde du mal qui le détruit. Êtes-vous vraiment celui que je recherche, détective ? Êtes-vous digne d'être mon successeur ? Le sang du démon m'a permis de vivre pendant 600 années. Imaginez un peu tout le bien que vous pourriez faire avec un tel don. Je vois que votre corps est en train de s'affaiblir. La petite quantité que vous avez pu avaler ne vous maintiendra en vie que pendant quelques précieuses heures supplémentaires. Il est temps pour vous de prendre l'ultime décision.
moment est venu pour vous de m'affronter en personne. Remportez ce dernier défi et le sang du démon vous offrira en retour la vie éternelle. Vous avez réussi, détective. Maintenant, venez me retrouver. Je vous donnerai votre récompense. Tu as réussi. Tu as l'air surprise. Bien sûr que non, j'y ai toujours cru. Où est Raz? Il faut que je le voie. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ton dernier défi t'attend derrière cette porte. Je prie pour que les esprits t'épargnent. Mon père. Bienvenue, détective. C'est l'heure de votre dernier défi. Tuez-moi. Devenez la nouvelle tête de démon. C'est votre destinée. Je ne tuerai jamais. Même pas vous. Quoi? Tu m'as menti. Il me fallait un échantillon du sang de ton père. C'était le seul moyen. Permettez-moi de vous aider. Utilisez mon épée. Prenez tout. Non. Et c'est votre dernier mot.